Bonjour mademoiselle. Un peu de couleur sur mes joues. Voilà. On l'accroche ici. C'est l'atmosphère. Ça a direct été plus une question de feeling, je dirais. Le côté aussi familial, dans lequel je me reconnais beaucoup. Ce qui m'a convaincu, je pense, c'est le challenge qu'on proposait. J'avais vraiment envie de faire partie d'une entreprise qui commençait. En disant qu'on allait vraiment pouvoir être quelqu'un et que les petites actions qu'on allait pouvoir entreprendre allaient pouvoir vraiment changer quelque chose dans la boîte. The one that stood the most with me is entrepreneurship. On est orienté solution, on essaie de trouver des solutions pour nos clients, donc on se démène. Et on ne doit même pas hésiter à poser des questions parce que tout le monde est justement là pour s'entraider. Que tout soit transparent, pas vraiment une entreprise avec un gros cadre hyper hiérarchique. They really care about people here. Iedereen actief bezig is, meehelpt, waardoor dat je ook zelf zin krijgt om je beste beentje voor te doen, steeds beter te worden. Ce qui m'a en tout cas permis d'avoir confiance en moi, c'est le fait qu'un de mes managers me dise bah, « je te fais confiance ». And they told me I had the creative latitude I wanted. I could do whatever I want with the project. Le métier en lui-même qu'on m'a proposé, c'est un métier où il y a des perspectives d'évolution qui sont fulgurantes. Chacun définit un peu ce dont il a besoin avec les RH et aussi avec les managers. Et on peut même demander des petites formations supplémentaires. Heb je verschillende projecten, verschillende klanten, je hebt verschillende werelden die je leert kennen, verschillende bedrijven. En je kunt ook andere specialisaties leren.